Bonjour Véronique, donc bienvenue. Véronique de la VGA section Tai Chi Qigong. Donc, je vous propose dans cette nouvelle séance de vidéo que nous continuions à travailler sur les 8 pièces de brocart, donc une forme de Qigong, que nous avons travaillé sur les deux autres précédentes vidéos. Nous avons vu 4 mouvements. Donc je vous propose maintenant de retravailler ces 4 premiers mouvements des 8 pièces de soie. Et préalablement, je vous invite à faire l'échauffement tel que je vous ai montré dans les autres, 2 autres vidéos. Au moins, je vous invite à faire au moins 5 à 10 minutes d'échauffement au niveau des articulations et au niveau aussi de l'échauffement musculaire. Très bien. Donc, pour reprendre, je vous rappelle les 8 pièces de soie. Nous allons nous positionner bien le poids donc, dans les 2 pieds, bien en contact avec le sol. Puis nous allons prendre appui sur notre jambe droite, couvrir la jambe gauche de la largeur du bassin. Puis nous retransférons notre poids au milieu. Les pieds sont parallèles et bien en face de vous, les orteils bien en face. Donc je vais moins détailler évidemment, hein, puisque c'est un rappel des autres vidéos. Donc je vais préciser certaines choses. Mais d'une façon générale, l'idée c'est de dérouler les 4 mouvements que nous avons vus. Premier mouvement, donc, des 8 pièces de soie, qui s'appelle croiser les mains, soulever le ciel. Donc, croiser les mains, j'ouvre légèrement l'articulation des épaules. J'amène devant moi au niveau de l'abdomen, je croise les doigts. J'étire au niveau de l'externe des bras tout en montant. Je ramène devant moi, paume vers la terre, je descends sur l'articulation de mes genoux. Je remonte et là vous voyez c'est étirement au niveau de l'intérieur des bras, enfin côté intérieur et je monte. Et je monte sur la pointe de mes pieds. Je lâche les mains. Je reviens tout doucement sur le sol et je caresse la voûte céleste. Donc nous reproduisons ce mouvement 6 fois. J'inspire. 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 Quand vous montez sur les pieds, vous concentrez votre attention dans le troisième œil qui se situe entre les 2 sourcils et vous étirez bien les bras en arrière. Lâchez les mains. Je reviens, je lâche sur les genoux, recroisez les mains, troisième. J'inspire, je souffle. J'inspire, j'étire, je monte sur mes bonnes plantaires. Et je reviens sur mes talons. 4. Inspire, je monte jusqu'au-dessus de la tête. J'étire. Et je croisez les mains, 5, et tirez bien les 2 bras vers l'arrière, et une dernière fois, j'inspire,
J'expire. Je descends légèrement. J'inspire, je remonte et je monte sur mes bottes en terre. J'expire. Très bien, donc ce mouvement, je vous répète, croisez les mains et soulevez le ciel. Nous allons passer au deuxième mouvement des 8 pièces de soie. Donc il se fait, ce deuxième mouvement se fait en position de cavalier, c'est-à-dire que nous allons ouvrir de façon à écarter bien les deux pieds. Donc nous allons se positionner sur la jambe droite et ouvrir de façon à pouvoir se positionner en cavalier. Donc je lâche au niveau du bassin, du coccyx, je m'assois. Donc je vous montre un petit peu la position de dos. Donc je lâche au niveau ici de la courbure naturelle lombaire. Je m'imagine que je suis suspendue au-dessus de la tête par un fil, donc le buste reste en position droite et détendue. J'étire largement un petit peu les cervicales en rentrant un petit peu le menton de façon à aligner les cervicales à la colonne et bien avoir ici cette partie étirée dans la nuque. Donc je me repositionne face à vous. Donc deuxième mouvement qui s'appelle bander l'arc et viser un aigle dans le ciel. Donc je ferme les poings devant moi, les poings. Je répète un petit peu ce qui est important, les poings ne sont pas serrés, ils sont détendus, fermés, les doigts sont fermés comme si nous avions des œufs à ne pas casser à l'intérieur des poings. Je monte au niveau de du thorax, quoi, au niveau du thorax, pas plus haut que la hauteur des épaules. Puis je vais ouvrir à gauche. Étirer ici l'arc, enfin la corde de l'arc, et l'amener à peu près au niveau des épaules. Et je m'assois, je vise l'aigle entre mon majeur et l'index. Je lâche la flèche et avec mon regard, je suis la trajectoire de la flèche. Et je reviens. Donc nous allons faire ça 3 fois à gauche, 3 fois à droite. J'inspire. Je souffle. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et je souffle. J'inspire, j'expire, je vise à droite, j'inspire, je regarde partir la flèche à droite et j'expire. Je mets de côté pour la troisième fois, de façon que vous puissiez me voir de profil, j'inspire, j'expire. J'inspire et j'expire. Et une dernière fois sur la droite. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et je souffle. Je reviens. Donc, poids dans la jambe droite et je ramène la jambe gauche. Donc, nous venons de faire le 10e mouvement des 8 pièces de Brocard, qui s'appelle « Bander l'arc et viser un aigle dans le ciel ».
Donc, le troisième mouvement des 8 pièces de Brocard s'intitule « Séparer la terre et le ciel ». Donc, en revenant du deuxième mouvement, j'étais donc en position de cavalier. Je reviens en position pied parallèle, toujours largeur du bassin. Donc, « Séparer la terre et le ciel », troisième mouvement. J'inspire. J'expire au niveau de l'estomac. J'amène le bras gauche en haut, au-dessus de la tête. J'inspire et j'appuie donc avec la main droite sur la terre. J'expire et je regarde le dos de la main gauche. J'inspire et j'expire. Donc trois fois à gauche, trois fois à droite. J'inspire. J'expire. Je mets bien les deux mains l'une au-dessus de l'autre. Les paumes en face. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire à gauche maintenant. J'expire. J'inspire. Et j'expire. À droite. J'inspire. J'inspire, j'expire, à gauche, j'inspire, et j'expire, j'inspire, j'ouvre, je monte au ciel, je sépare la terre et le ciel, je regarde le dos de ma main gauche, je reviens ici, j'expire. J'inspire la dernière fois à droite. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Très bien, donc nous allons voir maintenant, ça c'était séparer la terre et le ciel. Quatrième mouvement des 8 pièces de soir qui s'appelle Regardez derrière soi. Donc, dans le troisième mouvement, j'étais en position pied parallèle, largeur du bassin. Sur le quatrième mouvement, qui s'appelle Regardez derrière soi, nous allons rester sur cette position-là de pied. Donc, se retourner et regarder derrière soi. Je vais inspirer. Retournez les paumes, expirez et tournez ma tête sur la gauche en reculant, étirant un petit peu l'articulation des épaules et reculez un petit peu les coudes. Donc j'insiste sur le fait que les poignets sont cassés et que le regard reste au niveau de l'horizon et va chercher derrière. Je reviens devant, en face, j'inspire donc trois fois à gauche. Trois fois à droite, j'expire, j'inspire, je retourne les poignets et j'expire, j'inspire, retournez les paumes vers le sol, j'expire à droite. J'inspire de face, retournez et j'expire.
Une dernière fois sur la droite, j'inspire. Je retourne les paumes vers le sol. Et le dernier, j'expire sur la droite. Donc la deuxième partie de ce quatrième mouvement des 8 pièces de soie, parce que comme je vous l'avais montré sur les autres, sur la dernière vidéo, elle se fait, ce quatrième mouvement se fait en deux parties. Donc voici la deuxième partie, je pose mes mains comme sur une table au niveau de l'abdomen. Je vais tourner sur la gauche, donc en gardant bien mes mains en face de l'abdomen. Et je vais m'étirer en tournant. Et je lâche devant. J'inspire sur la droite. J'expire. Donc l'objectif de ce mouvement est bien de faire une rotation sur l'axe de la colonne. J'inspire, donc toujours pareil. Les yeux sont à hauteur de l'horizon et vont aller chercher derrière. J'expire. À droite, j'inspire, vous voyez, j'ai mon épaule aussi gauche, au moment de la rotation, qui va aller chercher un petit peu plus dans la rotation, à chercher à s'ouvrir au niveau du dos, et je reviens, j'expire. J'inspire sur la gauche, toujours la nuque légèrement étirée, le menton légèrement rentré. Et j'expire. Une dernière fois, j'inspire. Sur la droite. Et j'expire. Donc la deuxième partie du quatrième mouvement. Voilà, donc je vous rappelle, nous avons vu dans cette vidéo la première partie qui s'appelle croiser les mains et soulever le ciel. Le deuxième mouvement qui s'appelle « Séparer la terre et le ciel ». Et le troisième mouvement qui s'appelle... deuxième mouvement qui s'appelle « Bander l'arc et viser un aigle dans le ciel ». Troisième mouvement qui s'appelle « Séparer la terre et le ciel ». Et quatrième mouvement qui s'appelle « Se retourner et regarder derrière soi ». Merci et à bientôt.